On a choisi la licence, on a trouvé les ayants droit, reste à convaincre la tutelle. Vaste sujet, et nous avons confié cette mission à nos deux spécialistes de la tutelle, en la personne de Sophie Toulouse, chargée de la médiation numérique chez Nancy, à Nancy Musée depuis 2017, et ardente défenseuse du projet Open Content à Nancy, et Fabien Leroux, qui a commencé à prendre la parole, responsable administrateur du musée numérique de Reims. Et donc, le sujet que l'on vous soumet est le circuit administratif auprès des tutelles. Vous avez 15 4 heures. minutes. Ah bon. Vous acceptez la mission? Oui. Merci. Juste pour débuter sur le circuit administratif, effectivement, le circuit administratif auprès des tutelles pour mener un projet d'ouverture des données culturelles commence en interne, hein, au sein des équipes, avant de remonter la chaîne hiérarchique administrative. Elle impose pour les chefs de projet, comme moi ou Sophie, d'incarner les ambitions pour convaincre, de créer des actions et de se donner les moyens pour atteindre les objectifs. Voilà. Et donc, on va pouvoir passer direct à la deuxième slide et on va pouvoir attaquer. Juste histoire de vous montrer qu'on a deux approches distinctes entre Sophie et moi. Vous avez pu voir, Sophie est revenue avec 5 diplômes à elle toute seule. Moi, j'en ai qu'un. Déjà, il y a une grosse différence entre nous. Hein. Sauf que, voilà. Du coup, moi, je suis plus partie de mon cœur de métier. Et donc, à travers la mise en ligne d'un portail des collections et d'offrir des images en open content. Et Sophie, je vais la laisser se présenter, mais elle est plus du côté de la médiation. Voilà, donc à nous deux, on fait une belle boucle d'open content. Bonjour, donc Sophie Toulouse. Donc, je suis chargée de la médiation numérique pour Nancy Musée, qui regroupe à la fois le Palais des Ducs de Lorraine, Musée Lorrain, le Musée des Beaux-Arts de Nancy, le Musée d'École de Nancy, la Villa Majorelle et la Maison Jean Prouvé. Donc, on travaille déjà en transversalité sur ces collections. Et j'interviens aujourd'hui donc en particulier sur un autre projet transversal qu'on a mis en place donc avec les collègues de la bibliothèque Stanislas et des archives municipales sur des ateliers, en fait un projet GLAM, des ateliers des éditatons en fait, des ateliers Wikimedia. Éditaton, alors petit lexique, on fera un lexique la prochaine fois. Journée contributive sur laquelle vous pouvez éditer sur une journée, 2 journées, plus si on est fou. Autour des projets Wikimédia, pas que Wikipédia, ça peut être Wikidata, Wikimedia Commons, etc. Ah, c'est fini déjà? C'est ça, donc j'ai parti sur des questions. Ah non, en fait, vous avez été super rapide à convaincre les tutelles, vu que vous avez passé 3 minutes à en parler. C'est ça. Non, c'était Alors, type des questions-réponses, ce serait plus interactif. Alors, quel est. Alors, du coup, vas-y, vas-y, Non, non, Xavier. mais Non, 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 je vous en prie, Xavier. Si on a bien compris, en fait, il y a justement quelque chose qui est très intéressant dans ces deux cas de figure, c'est qu'on ne sait jamais si vraiment ça part des agents culturels, ça part des directions, ce genre d'initiative. On a quand même Vous m'entendez bien quand même? Oui. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas de recette non plus, Clément en parlait. Est-ce que ça paraît plus difficile de partir de la direction? Ça paraît plus difficile de partir des agents culturels? Est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience par rapport à ça? L'idée, c'est on part déjà de notre fiche de poste, on va dire, pour incarner ce type de projet. Donc, c'est vrai que moi, je suis issu du récolement des collections. Donc, à la base, je suis la fourmi en interne qui valorise la base de données, qui informatise les collections pour avoir un outil de gestion des collections utile à l'échelle du musée. Mais ces outils de gestion sont des outils très performants qui maintenant permettent de publier en ligne de plus en plus les données selon l'éditeur qu'on a de logiciel. Donc moi, depuis le début de ma pratique, c'était un jour, quand j'aurai fini le récolement, je pourrai mettre en ligne les collections. Ça servira au plus grand nombre, car on arrive à avoir une interface d'information propre, de qualité, à un niveau plus ou moins puissant au niveau de la connaissance de l'œuvre, mais qui permet cette mise en ligne. Donc pour moi, intérieurement, c'était de toute façon une envie. Donc déjà en interne, quand on a des gens comme ça dans son équipe, ça facilite les choses. Et voilà, puis toi, ton approche en médiation, je ne sais pas trop. Oui, alors nous, enfin, moi, au cœur de mes missions, en fait, j'ai quand même le numérique et la médiation numérique. Donc évidemment, ça peut
ça se met en place en fait par la valorisation des collections par le biais du numérique. Donc ça peut être des dispositifs, ça peut être des projets, ça peut être des partenariats et des événements aussi numériques. Et évidemment, en fait, le numérique induit aussi beaucoup de participation. Enfin, moi, c'est des projets qui me tiennent à cœur parce que je viens de la médiation traditionnelle, donc j'avais l'habitude beaucoup d'être avec le public. Donc évidemment, dès que je suis arrivée à ce poste-là, j'ai commencé à remettre de l'humain, en fait, du public dans mes actions. Et les ateliers, enfin les éditatons, donc les partenariats avec Wikimedia France, en fait, s'est mis en place assez rapidement dans cette veine-là. Et je connaissais bien en fait les personnes de la documentation, enfin des documentations, en étant médiatrice à la base, évidemment, on travaille beaucoup dans les documentations. Et on a décidé de mettre en place en fait des ateliers. Camille Françoise, par exemple, a assisté à notre premier Wiki Weekend au Musée des Beaux-Arts de Nancy. Donc, c'était assez modeste, en quelque sorte, en fait, sur un week-end. Et le but était vraiment à la fois, en fait, d'enrichir des articles, en fait, Wikipédia en ligne, mais surtout, en fait, de donner, en fait, à nos visiteurs, en fait, habituels, en fait, l'occasion de s'approprier nos collections, de se former aussi à Wikipédia. On a formé aussi, donc comme je le disais ce matin, en fait, des étudiants de l'Université de Lorraine. Donc vraiment, en fait, de dire, bah voilà, ça c'est votre bien commun aussi, hein, c'est des collections publiques. Vous pouvez participer et d'engager vraiment une médiation un peu plus horizontale aussi. De dire, bah voilà, on n'est pas les détenteurs du savoir. Par contre, vous pouvez voir où se trouvent en fait les ressources documentaires, iconographiques, etc. Vous pouvez vous-même prendre des photos. Vous pouvez vous-même aussi enrichir en fait ce fonds documentaire et de montrer en fait que c'est un cercle vertueux, justement, en fait, cette appropriation des collections, cette appropriation des données et des contenus. Donc c'était un peu dans cette démarche-là. Et donc voilà, enfin, moi je me suis approprié, on va dire, je l'ai incarné avec la chargée de documentation en fait du Musée des Beaux-Arts. Et ensuite, par chance, j'ai eu la personne qui est chargée des actions culturelles à la bibliothèque Stanislas qui est venue à l'atelier, qui a été voilà, tout de suite, qui a pris chemin. Et Damien Nicolodi, en fait, aux archives municipales, qui s'est dit « Ah, mais c'est super !» Et donc, on s'est mis à travailler ensemble sur le projet Glam Nancy, le projet commun, en fait, qui est mis en place depuis 2020. Et nous, au musée, en fait, on a une concordance des temps qui s'est bien alignée. Donc, on avait en interne, mon collègue et moi, on était très, très, très demandeurs pour diffuser nos données, comme je l'ai dit précédemment. Et on a changé de direction. On a eu une direction mutualisée qui s'est mise en place en 2015 à l'échelle des musées de la ville. Du coup, en 2016-2017, on a fusionné nos bases parce qu'on avait des logiciels de gestion distincts à l'échelle des établissements. On a fusionné les bases sous la forme d'une base centrale. Donc, ça nous a donné vraiment la plateforme idéale pour diffuser par la suite. Et dans le cadre de la mise en place du site Internet et le nouveau directeur des musées portant ses envies a vraiment poussé pour qu'on mette en ligne un portail des collections. Donc, une fois qu'on a le directeur des musées dans sa poche, ça facilite grandement le circuit administratif auprès des tutelles, car du coup, on a une relation privilégiée avec les élus, notamment. Et pour rester sur Reims, est-ce que les tutelles ont accepté simultanément le principe du portail de collection et de l'open content, ou elles auraient pu accepter dans un premier temps la collection et vous dire ensuite, on le fait, mais pas une fois que le portail est lancé, mais on met les ressources on les met pas en open content, pardon. On leur a prouvé assez rapidement qu'il y avait plus de gains à être en open content que de fermer le robinet, comme c'était le cas précédemment. Nous, on a la chance, à l'échelle des musées de Reims, d'avoir un photographe en interne. Donc, on n'avait pas le problème vraiment des droits photo, de cession des droits du photographe, des prises de vue, de reproduction des œuvres. Donc, on avait juste besoin que la ville cède les droits de cession de la ville sur les photos des œuvres. Donc, déjà, on avait une bonne brique de départ. Et on leur a prouvé par A plus B, tout simplement, par an, ça nous rapportait, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais on va dire 1 000 euros par an de droits de reproduction, et plus deux agents qui s'occupaient de ça pour envoyer les formulaires, répondre et compagnie. Ça n'avait un intérêt assez limité, alors qu'en ouvrant le robinet, on pouvait avoir des gains autres qu'uniquement cet échange entre professionnels du patrimoine et ouvrir le champ des possibles. Donc, les élus ont été très réceptifs à cette démarche et ça a facilité la mise en place du projet.
Là où ça a plus bloqué, c'était l'aspect juridique des licences. Donc, j'en ai parlé ce matin. Donc voilà, donc nous, ça ne nous a pas empêché quand même de mettre en ligne et de proposer en téléchargement. Avant que vous ayez réglé le problème des licences. Avant de régler le problème des licences, en se basant sur le droit français. Donc dans nos conditions générales d'utilisation du site internet, on spécifiait que la ville cédait ses droits de reproduction pour les œuvres du domaine public et que voilà quoi. Et pour les autres, il y avait des droits qui étaient en cours et on n'autorisait pas le téléchargement. Donc on avait fait une assez simple, ça marchait. Et après, on est parti sur les talables. Alors pourquoi les talables? On est venu tout à l'heure. Je crois aussi que pour les tutelles, ça rassure d'avoir une licence gérée par l'État, portée par l'État. Voilà, c'est toujours. On est encore dans cet esprit hiérarchique. Peut-être, mais ça permet d'avancer. Ça peut aider, quand même. Accélérer le processus. Puis bon, d'un autre côté, quand on clique sur les talables, il y a marqué que c'est équivalent à une licence CC BY. Donc voilà, tout le monde est content. Enfin pour nous. Donc voilà. Combien vous avez mis de temps? Chacun, entre le moment où vous avez décidé de demander l'open content et le moment où vous l'avez obtenu dans les règles de l'art, jusqu'à l'accord du service juridique et les choses bien calées. Moi, j'ai commencé les ateliers en 2019. Et là, on a eu l'accord grâce au label. Merci le label. Du coup, c'est passé en conseil municipal. Donc là, ce qu'il faut expliquer, c'est que le label a fait levier et a permis à Sophie d'obtenir le... Donc, nous, le circuit des tutelles, il est un peu... comme on disait tout à l'heure, en fait, on essaye de pousser par un bout. Ils sont d'accord, en fait, de fait, mais en effet, c'est qui se saisit du dossier, comment on peut le porter, le temps que ça prend aussi. Ça engage beaucoup d'acteurs, beaucoup d'actions. On est pris sur d'autres projets, etc., comme tout le monde. Donc, évidemment, ça, on fait un peu des sauts comme ça. Mais en tout cas, voilà. Donc, 2019, le début. Voilà, 2023, l'accord de tutelle. Mais maintenant, il reste tout à faire. C'est-à-dire que tu rentres dans le... Mais là, ça va aller quand même beaucoup, beaucoup plus vite. Okay. Vraiment, vraiment plus vite. Et du côté de Reims? Nous, le projet de partage des collections a été porté en un an. Pour la mise en place technique et compagnie. Donc, on a proposé tout de suite les images. Et pour l'esprit un peu plus dans les règles avec les licences, ça a été fait l'année dernière, en 2022. Donc, 2 à 3 ans au total. Ouais, voilà. C'est ça. En fait, ce qui montre bien qu'on a quand même une volonté très forte d'ouvrir les contenus, mais que derrière, en fait, le circuit administratif est toujours plus compliqué. En fait, ça ne nous empêche pas toujours de faire les choses, mais pour être vraiment dans les... D'ailleurs, sans parler des tutelles, ça me fait penser simplement à des discussions que j'ai eues une bonne grosse dizaine de fois, c'est-à-dire que les personnes qui portent des projets de diffusion de contenu, etc., souvent des personnes qui se sentent esselées dans les services. J'ai même déjà entendu l'expression « je suis le savant fou » au départ de l'institution parce que je suis le seul à y croire. Et petit à petit, ça polémique. Ma question, c'est est-ce que Sophie, tu considères que les ateliers, la mise en place d'actions concrètes a aidé à convaincre des collègues, la tutelle, les élus, etc., de la légitimité de ces activités, ou ça a été simplement le temps, les conventions, ce genre de choses? Non, la convention est importante, pour le conseil municipal, etc., et que ça soit... Que ça soit voté en quelque sorte et que ça ait une vraie présence et un poids politique. Mais par contre, oui, les ateliers, c'était vraiment l'occasion de fédérer les différents collègues, donc en particulier la documentation, qui voyait un vrai intérêt de toucher un public qu'elle ne voit pas nécessairement dans les centres de documentation, de montrer des dossiers d'œuvres, de parler de leur travail. Et d'avoir un effet rebond aussi, parce qu'après, les personnes veulent continuer à rédiger leur article et à faire les recherches, viennent prendre des photos. Donc, y a ça. Et puis, en effet, après, on a commencé à mettre en place pour être, nous, un peu plus autonomes aussi. Parce que, donc, on a Lucas, l'évêque, que je remercie, que tout le monde a remercié. Mais voilà, c'est vraiment un support pour nous. Caroline Becker aussi. Enfin, on a plusieurs comme ça, acteurs Wikipédia, en fait, qui nous aident et qui nous suivent, qui viennent aux ateliers. Et qui permettent en effet de polliniser un peu auprès des collègues. Et donc, il n'y a pas que les collègues de la doc, il n'y a pas que les collègues de la médiation, il y a aussi la com, il y a tous les iconographes. On a eu vraiment beaucoup de monde en fait qui sont venus assister en fait aux formations de Lucas et aux ateliers aussi, et qui ont été convaincus en fait par Wikipédia en fait. Est-ce qu'il y a une question sur ce sujet? Oui.
Ah, je suis désolée, vous ne m'entendez pas en fait, c'est super. Oui, vous l'avez un petit peu dit, mais dans le cas de Nancy, est-ce que ces projets ont vraiment permis de rapprocher des équipes de métiers voisins, mais quand même différents entre oui. Et est-ce que du coup, ça a débouché sur d'autres projets que ces projets numériques? Alors oui, enfin, que d'autres projets que des projets numériques. D'autres projets. Moi, je m'occupe du projet. Ouais, voilà. Après, je m'occupe principalement des projets numériques. Donc, après, en tout cas, voilà. Oui, ça a vraiment rapproché en fait différents collègues et à la fois entre la médiathèque, la bibliothèque, les archives et le musée. Et c'est ça qui était riche, c'est que bon, nous, entre Nancy Musée, on est mutualisés, mais les services de documentation ne sont pas mutualisés. Il n'y a que le département des publics et de la com, en quelque sorte, qui est vraiment mutualisé. Donc, on a fait rapprocher les documentalistes et on les a fait travailler ensemble. On a fait travailler trois institutions culturelles différentes sur un thème commun. Donc, ça a été la Villa Majorelle, ça a été ensuite les Lorraines sans page, donc sur les personnalités lorraines. Cette année, c'était sur les graveurs lorrains. Donc, on peut travailler en fait sur des thématiques à la fois beaux-arts ou plus génériques. Mais à chaque fois, on met en commun nos ressources. Et ça, c'est un beau travail aussi parce qu'en effet, on rencontre des métiers dans d'autres structures, en fait, des collègues qu'on connaît pas, dont on ne connaît pas le métier. Et on se met à travailler ensemble et on se met à se poser aussi des questions ensemble. Et chacun un peu aussi a ses petits tocs. Bah, par exemple, les bibliothécaires en fait, vont être beaucoup plus en fait, sur data. Nous, on va être beaucoup plus sur commons. Enfin, voilà. Donc, on va vraiment s'entraider. En fait. Et eux sont un peu plus en avance sur leur collection en ligne grâce à l'immédiat. Les archives aussi ont leur portail. Nous, on est un peu plus en retard. On n'a pas les mêmes aussi les mêmes questionnements, hein, évidemment. Mais ça nous permet vraiment, vraiment d'avancer. J'ai répondu à votre question. Est-ce qu'il y a une autre question, sur ce sujet-là? Parce que de toute façon, là, on entre dans une zone de questions totalement ouverte sur les trois dernières sessions. Donc, si vous avez des questions sur les licences, si vous avez des questions justement sur les tutelles, si vous avez des questions sur la recherche des endroits, la contractualisation, n'hésitez pas. Alors moi, j'ai une question sur les tutelles. Hein. J'imagine que c'est une combinaison. Qu'est-ce qui est l'élément le plus moteur quand il faut aller convaincre le dernier élu à convaincre? Est-ce que c'est arrêter une activité de photothèque qui n'a jamais rapporté, faire rayonner les collections du musée ou faire de la com pour la collectivité locale parce qu'elle sera un peu innovante? C'est enregistré et filmé là. Ouais, mais on est entre nous quand même. Hein. Ce sera juste sur Internet ce soir. Ouais, voilà, c'est ça. Non, il y a vraiment un gain pour le rayonnement. Ça intéresse énormément les élus, il ne faut pas se mentir. Je veux dire, tout le monde le sait, tout le monde le fait et c'est normal. Quand tu dis rayonnement, c'est com ou c'est rayonnement de la collection? Bah, c'est la com passe par le rayonnement des collections. Ok. En fait, nous, par exemple, grâce à ce portail des collections, ça nous permet de rebondir et de créer d'autres contenus à partir de ce portail. C'est-à-dire que je vais créer des articles sur le site internet en mettant les images dès qu'ils renvoient aux notices. On va pouvoir, pareil, on a une adresse URL qui devient du coup un objet web qu'on peut réutiliser sur les réseaux. Voilà. Donc, ou des événements comme le concours. Oui, là, comme le concours. Donc là, c'était l'idée, effectivement, qu'on parle de nous. Et ça marche. Donc, Oui, bah, pareil, en fait, nous, pour les élus, on a même des élus hein, qui sont venus à nos ateliers, qui sont venus participer. Là, comme on a commencé à mettre en place des ateliers mensuels dans les différentes tournées, en fait, on a tourné dans les différentes structures, donc dans les archives, à la bibliothèque et au musée. On a des élus qui sont venus contribuer, en fait. Mais en tout cas, je pense que le participatif, nous à Nancy, ça marche très très bien. Ils sont vraiment dans cette logique de démocratie participative. On vote pour des projets de ville, etc. Et donc je sais que pendant le confinement, quand on a fait aussi le Wiki Weekend en ligne, parce qu'on était confinés, ça a très très bien marché. Enfin, ça a été beaucoup relayé. Donc il y a vraiment cette dimension, encore une fois, de partage de la culture, des communs, de partage du savoir, en fait, qui sont des valeurs qui sont partagées par nos élus et du coup. Là-dessus, nous, au niveau du retour, à la fois au niveau du retour public et du succès public, c'est un bon argument pour les élus. Et nous, ils ont aussi une forte attente sur le participatif et il faut qu'on développe justement ce que fait Nancy pour tout ce volet-là, parce que c'est très important et les élus ont... Ah, du coup, quand on fait du participatif, on fait de la proximité. Et pour un élu, la proximité, c'est un enjeu primordial aussi. Demande de retour statistique ou pas sur est-ce qu'ils sont toujours curieux de savoir ce que donne l'open content? Moi, mes hiérarchies directes, je leur envoie des bilans tous les mois. Donc, ils sont très au courant. Après, on a un rapport annuel. Après, comment ça passe auprès des élus?
Moi, au niveau des vœux, tous les ans, ils sont très contents du numérique. Donc, je pense que oui, ils les lisent. Mais, S'il y a une question qui est liée à ça, c'est le fait de ne pas savoir où vont les images et comment elles sont utilisées. Et il y a beaucoup d'agents aussi qui se posent la question. Bon, voilà, ouvrir, d'accord, mais si on ne sait plus comment sont utilisées les images, on est un peu frustré. Comment est-ce qu'on répond à cette frustration ? Est-ce qu'il y a une réponse d'ailleurs à ça ? Pour moi, déjà, ce n'est pas trop au niveau des élus, ce genre d'interrogation. C'est plutôt vraiment les équipes en interne. Justement, je parle des équipes en interne. Voilà, donc ça, effectivement, nous, de notre côté, au début, c'est vrai que ça bouscule énormément les habitudes. Surtout quand on pense au musée années 90, début 2000 et maintenant, c'est vrai qu'il y a un grand gap à passer. Et pour les équipes, c'est un peu difficile au début. Nous, ils avaient peur, plus que de libérer la donnée, de ne pas savoir où est-ce qu'elle va, c'était plutôt est-ce que je libère une donnée fiable. Vraiment, c'est la fiabilité de la donnée qui leur faisait peur en disant ah, mais je n'ai pas nettoyé vraiment ma table, la biblio. Donc on essaie de trouver des garde-fous, des zones de masquage temporaires et puis au bout d'un moment, ils laissent filer. Et ça se passe bien à ce niveau-là. Moi, il n'y a pas eu trop de questions sur où vont nos images après, mais c'est des questions que d'autres se posent. Oui, nous. Oui. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces enjeux, justement ? N'hésitez pas, c'est le moment. J'ai une question, moi, personnellement, alors ce n'est pas pour vous directement, mais plutôt pour Clément Tessier, justement, du Musée de Bretagne. J'étais en train de penser à l'aspect chronophage de ces travaux de recherche. Et question un petit peu, je ne sais pas si c'est difficile d'y répondre, mais comment on évalue le gain, en fait, au long terme ? Est-ce que tu pourrais décrire le gain au long terme d'un tel investissement de travail et d'effort, puisque quand on n'a pas de recettes et quand on doit les fabriquer, c'est deux fois plus de temps ? Comment on garde une motivation pour faire ça quel est justement l'impact recherché à long terme ? Comment je garde une motivation ? Déjà, en fait, je ne vous ai pas précisé, mais je suis contractuel dans deux institutions. Donc, je travaille à la fois pour le musée de Bretagne et à la fois pour les archives municipales de Rennes, une semaine sur deux. Donc, j'enchaîne. J'ai toujours des dossiers en cours partout. J'ai réussi à diviser mon cerveau depuis peu. Et tout est bien organisé. Il faut avoir des outils un peu bien faits. Enfin, il faut se créer ces outils et se créer ces zones où, là déjà, je sais ce que je fais. Pour le temps affecté à chacun des dossiers, effectivement, c'est super conséquent. Enfin, c'est pour ça qu'en fait, à Rennes Métropole, on a créé un poste parce que les collègues du musée peuvent pas du tout faire ce que je fais. Enfin, vous vous en doutez tout à fait. C'est vraiment de la recherche à temps plein parce que je peux passer 7h30 de ma journée à vraiment faire la recherche pour une seule personne parce que je trouve que des bribes d'informations et après il va falloir que je trouve des bribes d'informations sur les descendants de cette personne-là. Donc c'est vraiment quelque chose de super, super chronophage. Et j'ai oublié la suite de ta question, Xavier, désolé. Je pense que c'est moi aussi en fait. C'était vraiment sur l'aspect chronophage effectivement, garder en tête le gain au long terme de cet investissement. Je m'étais imprimé quelques petits chiffres pour que vous vous rendiez compte un peu. Je vais les ressortir. En gros, par an, je traite une vingtaine de dossiers différents. Donc, depuis les 4 dernières années, j'ai contractualisé 128 contrats. J'ai eu 327 interlocuteurs directs. Je ne vous dis pas les interlocuteurs indirects, c'est-à-dire que je pose une question à l'association de modélisme de Lannion pour savoir si l'atelier de maquette Gilles Lecoq, il y a des anciens au sein de l'association ou s'ils ont des pistes de personnes ressources. Donc vous pouvez imaginer un peu le chemin et le nombre d'interlocuteurs qu'on peut avoir. Donc je liste vraiment que les ayants droit ou les auteurs directs. Sinon, en termes de collection, sur les 4 dernières années, on a mis en ligne 8694 objets régis par le droit d'auteur. Voilà. Ça fait. Durée moyenne de retour d'un contrat, c'est 83 jours par contrat. Voilà. Donc, ça vous donne un petit peu l'implication et puis surtout l'importance de la relance parce qu'il faut beaucoup, beaucoup relancer pour que ça avance. Voilà. Comment faites-vous le travail avec les ayants droit du côté de Reims ? Nous, c'est notre documentaliste responsable du centre de ressources qui fait les recherches généalogiques
et compagnie. L'avantage que pour le coup, c'est qu'on est dans un musée des Beaux-Arts. Donc certes, il y a souvent des droits, mais il y a souvent des musées qui exposent aussi des artistes. Donc on peut directement appeler les copains pour savoir s'ils ont trouvé les ayants droit avant nous. S'ils ont mis tout droit réservé, on considère qu'ils n'ont pas trouvé. Donc nous non plus. Et on s'autorise du coup à mettre en ligne si on n'a pas trouvé après une recherche. Donc peut-être pas la meilleure recherche, mais une recherche quand même avec nos outils. À mettre en ligne en basse définition, mais illustrée. Ce qui nous permet quand même, donc je sais qu'on est peut-être un peu à la limite, mais ça nous permet de retrouver des ayants droit. Au final, il nous envoie un message en disant « Ah, bah, c'est le tableau de mon grand-père, je suis très heureux que ce soit en ligne, on n'a jamais eu de problème. » Il ne vous envoie pas la facture. Il ne nous envoie pas la facture. Et donc voilà, donc on peut retrouver aussi les ayants droit via le portail des collections. Donc après, on n'est peut-être pas obligé de mettre les images, on pourrait très bien imaginer sans illustration. Donc on peut les recontacter et après ça passe par le service photo qui envoie un contrat beaucoup plus léger. Nous en fait, par définition, tout ce qui est encore sous droit, on ne propose pas le téléchargement HD. Donc on est plus sur quelle mention vous voulez mettre sur les œuvres qui sont soumises à droit et sur la durée légale du droit, il y aura juste une illustration en basse définition qui sera sur le portail. Et ça par contre, on leur demande l'autorisation évidemment pour cet aspect-là. Une question à l'arrière. Oui, moi j'avais aussi une question pour Clément Tessier. Voilà, moi je fais ça, je suis documentaliste, je suis contributrice wikipédienne et je fais des recherches beaucoup sur des personnalités du 19e et du 20e siècle, beaucoup d'artistes pour retrouver leur identité. Voilà. Je ne fais pas ça sur des ayants droit. Mais je voulais savoir, vous disiez tout à l'heure que c'était un métier en devenir. Est-ce qu'il y a une vraie volonté de la part des musées de créer ce genre de poste ou est-ce que c'est, bah oui, mais on aimerait, mais on n'a pas l'argent pour créer. Voilà. Donc je voulais savoir si vous aviez des échos sur des institutions qui cherchent en fait des gens capables de faire ça. Je n'ai pas d'écho, mais si éventuellement il y a d'autres personnes dans cette salle qui sont capables de répondre à cette question, moi aussi je suis intéressé. Non, enfin... C'est quand même quelque chose d'assez récent, en fait. Faut qu'il y ait clairement une volonté politique derrière. Nous, à Rennes Métropole, pour le coup, on a lancé quelque chose. Donc, il faut avoir quelqu'un derrière maintenant pour que ça avance progressivement. Aujourd'hui, on a mis en ligne à peu près 50% de nos fonds, enfin 50% des fonds estimés, puisqu'on pense qu'on a 700 000 objets au musée. Et là, on est en train de finir le récollement de notre réserve photographique qui est estimée à 500 000 items. Donc, voilà, on n'a pas trop, on ne sait pas trop déjà. C'est un peu compliqué. Emmanuel, tu voulais ajouter un truc ? En fait, vous avez parlé du participatif et ce qui plaisait aux élus. Clément n'a pas dit qu'il préparait une journée pour re-rencontrer les ayants droit. C'est-à-dire qu'en fait, comme on avait fait au moment de la... Ah non, pas la mise en ligne des collections, mais une exposition, on avait fêté les 10 ans d'acquisition au Musée de Bretagne, on avait invité tous les donateurs qui étaient présents, et ben là, on va faire la même chose avec les ayants droit. Donc en fait, finalement, c'est de dire que derrière des objets, il y a des gens. Et en fait, le but d'un musée de société pour nous, et je pense que c'est vrai pour n'importe quel musée, c'est aussi de réincarner, de réhumaniser, enfin, d'ailleurs, le d'humaniser, en fait, hein, tout simplement. Et donc, c'est ces liens aussi qui se tissent. Et pour le coup, ça, c'est quand même une grosse valeur ajoutée, en fait. Voilà, recréer du lien avec ces fameux ayants droit, puisqu'en fait, on se voit jamais, quoi. Et l'idée, c'est aussi de fédérer aussi une communauté autour du musée, quoi, et de se rencontrer. Pour ces questions juridiques... Dans les musées, il y a aussi les questions des provenances. Et à mon avis, il y a beaucoup de postes qui pourraient être ouverts à des chercheurs dans les musées, parce que potentiellement, toutes les œuvres rentrées dans les collections publiques entre 1933 et 1945, il faudrait que les musées s'assurent de la provenance de ces œuvres. Et donc, je ne suis pas sûr que des recherches soient faites dans tous les musées concernant ces sujets. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir une mobilisation des élus, à la fois sur ces questions de droit de l'image, mais aussi concernant ces questions de provenance. Est-ce que... Oui, Martine. En fait, le métier de recherche d'ayant droit pour une édition d'images, traditionnellement, existe déjà dans l'édition, et c'est le métier d'iconographe. Et l'iconographe, effectivement, est chargé, et depuis longtemps dans les éditions
par exemple d'art, de rechercher les ayants droit. Bon. Donc c'est un nouveau métier, une nouvelle forme du métier en fait, qui est exercée là avec la mise en ligne, qui est une autre forme de publication. Ce dont parle Pierre-Yves, la recherche de provenance, c'est spécifique parce que c'est vraiment, bah, les musées américains par exemple ont commencé à engager des provenance researchers qui font partie des départements, et ce sont des spécialistes, des scientifiques, des historiens d'art, des archéologues, qui sont capables d'identifier dans les inventaires, dans les anciens catalogues, etc. C'est un peu ce qu'on fait à INHA avec l'histoire des collections, dans les archives, identifier des objets. Donc ce n'est pas le même type de formation. La formation d'iconographe a un aspect juridique, un aspect... ouais. Oui. Mais en France, par exemple, on n'est pas très, très engagé dans la recherche de provenance, par exemple. Oui, formation, mais il faudrait qu'il y ait des postes aussi. Parce que moi, je connais des tas de gens qui sont déjà formés et qui n'ont pas de postes. Du budget aussi. Oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a une obligation de moyens, comme on dit en droit, mais pas une obligation de résultats. C'est ce que vous avez dit. Si vous êtes capable de prouver que vous avez fait le minimum de recherche pour retrouver la source ou l'auteur, ça peut suffire, hein, parce qu'on fonctionne quand même dans la bonne foi. Hein. Bon, voilà. Moi, je pense que c'est suffisant de montrer qu'on a cherché. Sur la question que j'ai posée tout à l'heure sur les licences CCBY et TALAB, dont on disait qu'elles étaient équivalentes, c'est vrai que la difficulté que peuvent avoir les établissements et les personnels des établissements patrimoniaux, c'est l'auteur, c'est une chose, mais la provenance et le lieu de conservation, c'est aussi une information essentielle, c'est une information scientifique essentielle, et c'est vrai que ces licences ne permettent pas de l'exiger. C'est-à-dire, à partir du moment où une photographie a un auteur, on peut la publier et la réutiliser sans dire que l'original est conservé dans tel lieu. Ce qui, quand même, est un problème et qui peut être aussi vraiment, pour le coup, un obstacle déontologique chez les professionnels du patrimoine. Et les arguments pour les... Enfin, je me fais l'avocat du diable, hein, là, je ne suis pas du tout dans cette... Non, mais... C'est pas. Mais en tout cas, c'est quand même une question qu'il faut être capable de, à laquelle il faut être capable de répondre. Après, bah nous, si je peux répondre, nous on propose un formulaire de téléchargement comme beaucoup d'autres plateformes, et on intègre de son formulaire les mentions obligatoires à poser. Après, on est dans un milieu quand même de bonne foi, surtout quand on est sur de l'édition scientifique, on n'a jamais eu de problème à ce niveau-là. Et puis pour les autres qui téléchargent des images pour en mettre dans leur chambre ou faire leur exposé à l'école ou le petit livre paroissial ou associatif. Le rideau de la chambre. Le rideau de la chambre, voilà, encore mieux. Mais... Enfin, nous, on met les mentions obligatoires, donc a priori, ils sont au courant, quoi. Ouais, c'est un gage sérieux quand même pour les éditeurs, les chercheurs, de bien citer leurs sources. Oui, bien sûr. Nous, c'est une question récurrente. Hein. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui. Et là, on n'a pas trop parlé de ça, mais vous avez avancé un peu sur les contrats avec les photographes. Alors nous, je disais qu'on avait la chance d'avoir un photographe en interne, donc on ne se posait pas trop ces questions, mais il se trouve qu'il est parti en retraite il y a 2 ans, et pendant 1 an, ça a été difficile pour nous. Donc là, ça y est, on a de nouveau notre nouveau photographe en interne des musées, jeune. En plus, il peut porter des œuvres et tout, il est multitâche. Et donc, on a dû quand même essayer de trouver la possibilité d'employer un prestataire pour des sessions de photos avec session pour le porter des collections. Ce qui n'est pas simple, parce que normalement, il faut céder pour un usage spécifique et pas tous les usages, et encore moins des œuvres qui ne sont pas encore créées. Enfin, donc, on a eu une bonne négociation avec le service juridique de la direction de la culture pour avoir un contrat qui agrée à nos services juridiques.
Après, le photographe, pour le coup, on l'employait dans le cadre d'un marché de collection où il cède déjà ses photos dans le cadre de ce marché. Donc, lui, il n'y avait pas de souci de son côté. Donc ça, et nous, on a des marchés avec lesquels ça a pu poser problème, en fait. Donc, maintenant, on fait très attention et on essaye aussi de citer notamment Wikicommons, en fait, dans les usages potentiels. Et encore une fois, notre outil, notre base de données, sert à référencer les différents photographes qui peuvent intervenir en mettant dans le multimédia un formulaire où on attribue le droit d'auteur de la personne qui a fait la photo, même si c'est le photographe interne ou des photographes extérieurs. Ils acceptent ? Oui, ils acceptent. Est-ce qu'on peut répéter la question pour le fond de la salle, s'il vous plaît ? Oui, c'est vrai normalement, pour les œuvres en deux dimensions, il n'y a pas du tout de droit de reproduction. On serait plus sur la numérisation. Enfin, je m'arrête sur... Il y a des personnes dans la salle qui s'y connaissent encore mieux que moi sur ces sujets-là. Mais comme ce n'est pas encore tout à fait clarifié à ce niveau-là, c'est vrai que quand moi j'ai versé sur Commons, j'ai eu des retours en me disant « c'est du 2D, de toute façon c'est du public domaine, le copyright du photographe n'est pas utile ». Certes, mais bon, dans la pratique, on met quand même le nom du photographe. Question Clément, très prosaïque. Qui a formé initialement aux licences Creative Commons ? Auto-formation ? Concrètement, sur cette mission, c'est de l'auto-formation totale. Donc, que ce soit les licences ou comment rechercher les ayants droit, voilà. Merci. Non, c'est juste pour signaler, effectivement, en fait, pour Creative Commons, c'est vrai que nous, on se pose aussi la question. Et là, quand on a un petit peu de budget, on va peut-être essayer de faire certifier quelqu'un. Alors, on ne sait pas ce que ça vaut du tout, mais voilà, après, on pourra partager l'expérience. Mais c'est 10 semaines, plus ou moins, c'est $500, quelque chose comme ça. Donc, on va essayer de voir si ça vaut vraiment la peine ou pas. Ouais. Vous êtes quelle institution ? La BNU. Strasbourg. La BNU. C'est vrai que ça a été mentionné aussi par Daniel Boursier tout à l'heure, et bon, après, question de point de vue, etc., mais Creative Commons a lancé des programmes de formation, et notamment destinés aux bibliothécaires à l'origine, et puis ensuite, très récemment, au GLAM, donc aux institutions culturelles d'une manière plus générale. J'avais une autre question, j'ai presque oublié. Oui, je voulais connaître, en fait, et s'il y a des personnes dans la salle aussi qui travaillent pour des tutelles ou qui sont sous tutelle, est-ce que vous connaissez le niveau d'acculturation, justement, des licences de la part de vos tutelles ? Et si ça ne vous gêne pas de répondre, Fabien et Sophie. Alors, je vais compléter par une question que je voulais poser qui est dans la même veine. Quand vous avez convaincu vos tutelles d'y aller, est-ce que vous les avez convaincus sans évoquer dans le détail les licences, ou elles sont rentrées dans le détail des licences ? Oui, ça dépend à quel niveau, en fait. Au niveau le plus haut, on essaie de... Enfin, pour le coup, moi, j'ai vraiment généralisé. On entend bien ? Je ne sais pas. Donc, j'ai vraiment généralisé, par exemple, pour le label, pour la candidature. En fait, j'ai essayé de faire des gros groupes, en quelque sorte. Par contre, quand on travaille avec les documentalistes, du coup, c'est via les versements Wikicommons, en fait, qu'elles ont commencé à se familiariser avec. Je leur ai imprimé la charte, en fait, que Camille Françoise avait montré tout à l'heure, etc., pour qu'elles aient ça en ligne. Et elles doivent maintenant, en fait, diviser les collections, en fait, par rapport à leur choix, en fait, leur choix de créer de licence, voilà. Merci. Et les élus n'ont pas été jusqu'à choisir non, il y a le respect du travail de chacun et la connaissance de chacun. Nous, les élus, ils attendent surtout un projet ficelé et porté par les chefs respectifs des services. Donc nous, une fois que le directeur avait son projet ficelé, nous, ce qui a bloqué, c'est plus à la direction de la culture qui n'a pas voulu qu'on intègre tout de suite les Creative Commons, alors que nous, on était parti de notre projet sur de CCO pour toutes nos données, qu'on pouvait mettre en domaine public. Donc après, les élus, le projet dans sa globalité, ils adhèrent, ils ont combien ça coûte, qu'est-ce que ça rapporte, machin. Mais de savoir qu'on va mettre du CC BY, CC BY SA, ND. Ça, c'est votre choix, ouais. Mais pareil, les services juridiques, je ne sais pas si vous les avez... mais nous, pour l'instant, ils ne sont pas trop au fait, en fait, de toutes ces questions-là. Donc, ils vont devoir aussi se former. La question de Xavier, c'est sur l'acculturation et sur la formation éventuelle. Là, sur les services juridiques. Voilà, services juridiques. Clairement, sur les services juridiques. Ouais. Moi, j'ai eu un an d'échange. C'est vraiment spécifique, en fait. Bien sûr. Et ils n'ont pas que... C'était une question sous-entendue. Ils ont d'autres choses, donc du coup...
Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à cette question justement du niveau de l'acculturation ou licence? Vous êtes à peu près... On a en fait, bon, je peux laisser Rémi prendre la parole sur ce sujet s'il le souhaite, mais c'est vrai qu'on travaille depuis, non, il veut pas, on travaille depuis quelques années pour effectivement former. Alors on propose des formations aussi à nos bénévoles et notamment des formations de formateurs. On essaye de faire la formation de formateurs aussi avec la petite équipe qu'on a. Donc, j'ai un collègue qui travaille sur les aspects pédagogiques de Wikipédia, et une autre collègue qui travaille également sur cette thématique-là. Moi-même, je peux dispenser des formations, mais bon, on n'a pas de tentacules malheureusement. Mais c'est quelque chose qu'on essaie de propager. C'est pour ça aussi qu'on essaie de travailler avec les réseaux, évidemment, pour pouvoir toucher le plus de personnes possible et avec les moyens qu'on a. Mais c'est évidemment une force qu'on essaye de faire monter de plus en plus chaque année. Est-ce que Rémi, tu veux réagir là-dessus? Ouais, rapidement. Nos formations aujourd'hui, elles sont quand même essentiellement centrées sur Wikipédia, les projets Wikimedia, etc. L'asso intervient, d'autres personnes interviennent comme Lucas ici. Mais de ce que j'entends, c'est surtout un besoin de formation juridique. Et là, l'asso, elle n'est pas forcément, on n'a pas forcément les compétences en interne pour ça. Alors après, ça se développe, ça se recherche. Il y a des gens qui ont ces compétences-là. On peut aller les chercher avec vous, comprendre les besoins et mettre à disposition après des formations adéquates. Aujourd'hui, en interne, on n'a pas forcément ces compétences-là, mais ça peut se travailler. Je peux, Lucas Lévesque, je peux continuer ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en effet, quand, en tant que bénévole, ou moi en tant que formateur pro, mais de manière générale en tant que bénévole, quand on initie, que ce soit une institution ou un public, au projet Wiki, on passe sur les licences libres de manière générale. Mais c'est limité, c'est-à-dire qu'on va expliquer à quoi servent les licences libres sans avoir de compétences juridiques élevées, on explique juste la base, puisque les licences libres, c'est le cœur de Wikimedia, c'est pour ça qu'on le fait aussi. Donc il y a une base minimale qui est quasiment toujours donnée. Donc ça, c'est assez facile d'avoir la base et d'être initié à ça. Assez tôt dans la contribution, on insiste rapidement dessus. C'est un des piliers majeurs de Wikipédia, de toute façon, hein, c'est un des cinquièmes. Aller au-delà va demander des compétences qui sont beaucoup plus rares dans la communauté. Personnellement, j'ai énormément appris auprès de Calimac, j'oublie son nom... Lionel Morel, voilà, merci beaucoup, qui a fait énormément de pédagogie en ligne sur son site internet Silex pour expliquer justement le droit et les licences libres. Et c'est un atout vraiment majeur là-dessus, il ne faut pas passer à côté. Et ensuite, il y a assez peu de personnes qui sont capables de dénouer des problèmes de licence. Pour l'exemple, je me rappelle d'un souci avec une convention où on a mis quand même 3 ans à dénouer les problèmes de droit après une convention. Je ne sais pas si je peux donner la ville. Ouais, donc c'était Grenoble, où qui avait signé une convention avec l'association. Et l'année d'après, le service juridique choisit un truc qui va à l'encontre de la convention et il va falloir se débrouiller avec ça, en fait, sur l'ouverture des données et tout ça. Et donc, on a discuté longuement avec eux, on a essayé de les accompagner, beaucoup de réunions pour au final trouver quelque chose. Aujourd'hui, c'est à peu près propre. Maintenant, il faut qu'ils se relancent, mais c'est voilà, ça peut être assez complexe. Mais on a fini par trouver une porte d'entrée pour faire quelque chose. Mais là, par contre, en effet, c'est du temps, quoi. Si je peux rajouter, nous, pour les professionnels des musées, on a les formations de l'INP. Il y en a une sur le droit d'auteur, mais qui aborde très succinctement les licences et pourtant qui est très pointu sur le droit d'auteur en lui-même. Donc il suffirait de rajouter, je pense, un petit module. Mais voilà. Est-ce que je peux dire que c'est très difficile, même y compris quand on a fait des études de droit, d'avoir le minimum sur le droit d'auteur? De toute façon, vous en savez plus si vous êtes dans la pratique que la plupart des jeunes juristes qui sortent des masters de droit, qui finissent par faire 5 ans de droit, je le sais, sans avoir une notion du droit d'auteur. Quant au droit des licences, je suis désolée, mais moi j'ai entendu des gens aller consulter des avocats, pas tous, hein, mais un ou deux, disaient carrément les licences Creative Commons sont illégales. Je l'ai entendu. Hein. Donc vous savez, vous ne faites pas trop d'illusions, il y a vraiment une méconnaissance, une non-culture des licences libres.
En gros, les licences libres ne sont pas très appréciées des gens qui adorent le contentieux. Pour répondre à la question tout à l'heure, bah oui, évidemment, ça leur apporte rien du tout. Et je peux vous dire que pour l'instant, d'ailleurs, à chaque fois qu'on se rencontre avec Laurence Lessig, etc., la première question que tout le monde se pose au niveau international, est-ce qu'il y a un cas ? Alors, il y a eu des tas de cas où les licences Creative Commons ont été citées. Elles ont toutes été reconnues par le juge, donc elles sont légales, complètement légales, elles ont été reconnues, et pratiquement, sauf les gens qui sont de mauvaise foi, compliqués, etc., mais en général, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de contentieux, ne le cherchez pas. Est-ce que ça serait vrai de dire, du coup, qu'elles ne sont pas inscrites dans le droit français, mais qu'elles sont prises en compte dans les jugements et dans leur jurisprudence ? Que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ces licences libres, Creative Commons, sont fondées sur le droit d'auteur. Elles ne sont pas seulement une alternative. S'il n'y a pas de droit d'auteur, par exemple, si une œuvre est dans le domaine public, ça je le précise parce que là, tout à l'heure, ça a été vaguement dit, une œuvre dans le domaine public ne peut pas se retrouver sous une licence Creative Commons parce que, justement, elle n'est pas fondée sur le droit d'auteur. Oui, mais moi, je suis désolée, c'est pas vrai. Après, ça dépend. Il y a la deuxième couche du photographe. Oui, ben voilà, il y a la couche du photographe. Vous vous comptez... Ouais. Oh, si, il n'y a pas trop de problèmes. Et la communauté elle-même, je peux vous dire, par exemple, je vais vous dire très simplement, un jour, il y a une musique qui avait été écoutée à une émission de télévision sur TF1, et c'était une musique qui était sous Creative Commons. Et le lendemain, il n'y avait pas mention de l'auteur. Et le lendemain, l'auteur a été contacté par des gens de la communauté Creative Commons, qui est une communauté extrêmement réactive, parce que justement, ils attendent ces affaires-là. Moi, je crois beaucoup à cette connaissance émergente, hein, des gens qui sont dans la pratique, hein, qui lui ont dit, mais t'as entendu, ta musique, elle a été utilisée, mais tu n'es pas cité. Et alors, effectivement, lui, il n'avait pas écouté, etc. Il est allé voir, tout le monde l'a conseillé d'aller voir TF1, le service juridique, qui ne connaissait pas les licences Creative Commons, quand même, c'est intéressant. Ça, ça date de 4-5 ans, quand même. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas avoir de complexe, hein, ce n'est pas très connu. Hein. Et il a eu un dédommagement, etc. Ça s'est passé à l'amiable. Mais vous voyez, enfin, il ne faut pas être trop rigide dans ce domaine, quand même. Moi, je crois à la bonne foi. La mauvaise foi, ça passe pas, mais la bonne foi, ça passe. Et il y a la communauté Creative Commons est très réactive. Vous voyez ? Mais ce que je voulais dire, excusez-moi de reprendre la parole, c'est que là, vous dites un débat avec le service juridique, ça, c'est pour un établissement qui n'a pas de moyens considérables, c'est un obstacle majeur. Ça veut dire, si on sait qu'on va avoir un an de débat avec le service juridique, on ne va pas y aller. Oui, bah oui. Les choses vont s'accélérer aussi. Et du coup, ce qui nous manque, c'est une doctrine simple avec des gens avec des textes simples, avec l'état de la jurisprudence. Alors, il y a le guide de l'INHA, Mais je pense vraiment. Là, il y a le retour d'expérience des musées qui sont allés. Sauf que là, j'ai deux retours d'expérience qui ne me disent pas la même chose sur le domaine public. Paris Musée a mis. Vous connaissez l'histoire de Houellebecq. Vous savez, Houellebecq avait partie d'ailleurs de Wikipédia, c'était le manuel de la sécurité édicté par des gendarmes. Vous vous souvenez de cette affaire ? Et lui a voulu revendiquer un droit d'auteur. Et il lui a été opposé, et là c'est juridiquement valable, qu'il, ayant pris une partie, il ne pouvait pas se réapproprier un travail qui avait été mis sous Creative Commons. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, donc il y a des tas de cas comme ça. Hein. Alors, juste d'un mot, j'aurais envie de prononcer une piste pour ceux qui cherchent des outils juridiques simples et pourquoi pas fondés sur le droit d'auteur, à l'heure de l'intelligence artificielle qui plus est. Donc, c'est une piste, hein, mais je suis disponible pour réfléchir. Donc, parce que l'intelligence artificielle, à mon avis, élabore. On entend beaucoup dire crée, mais je pense que là, surtout nous, dans l'Hexagone, avec un côté donc européen, droit d'auteur à la française, convention de Berne 1860, etc., etc. On doit dire l'IA élabore, puisqu'en plus il y a le côté travail, tâches, etc. Alors moi j'ai un argument très simple. À partir du moment où on peut concevoir qu'il y a un droit moral qui, le cas échéant, pourrait, en cas de contentieux, s'exercer,
à ce moment-là, on peut commencer à dire on est bien dans un régime de droit d'auteur, on va dire à la française ou à l'européenne. Et donc, la machine, machin, même hyper, truc, chose, tout ce qu'on veut, quantique, on ne conçoit pas qu'elle puisse exercer un droit moral quelconque. Par contre, l'archidescendant breton de la dame dont on voit la tronche en train d'avoir un savoir-faire spécial pour poser sa coiffe sur la tête, eh ben là, à la limite, on voit, bon, si effectivement on arrive à identifier le descendant, enfin, on comprend si à l'association des amis de la coiffe de Ploermel, machin, elle pourrait revendiquer un droit moral pour l'utilisation dans une fête gothique, non, j'ai rien dit, de l'image détournée de la coiffe, la tête en bas, explosée avec du fluo. Vous voyez ? Donc, moi, ça me paraît une piste intéressante, peut-être à creuser. Si un droit moral pourrait s'appliquer, OK, droit d'auteur, sinon, on est sur autre chose. On a parlé de marque tout à l'heure. Hein. Donc, il y a aussi d'autres protections industrielles possibles, protections intellectuelles, pardon, ou immatérielles possibles. Je peux poser juste une remarque. Ouais, juste pour, enfin, j'imagine qu'on n'a plus de temps là. Mais parce qu'on en parlait ce midi, en fait, nous, on est un peu la génération d'entre deux. On se forme un peu sur le tas, en quelque sorte. Mais est-ce que les nouvelles générations qui arrivent ont des cursus, justement, qui sont dédiés à ça ? Enfin, moi, je sais que j'interviens à l'Université de Lorraine, ils n'en parlent pas. Est-ce qu'à l'école de Louvre, ils en parlent ? On se posait la question. Est-ce que, voilà, en fait, le problème, c'est que pourquoi on ne s'y intéresse pas ? Alors, quand on est historien, enfin, pour nous, historien de l'art, ou historien, ou archiviste, ou bibliothécaire, pourquoi ce n'est pas inclus dans les formations, en fait ? Que les juristes ne s'y intéressent pas, à la limite, si ça ne les concerne pas parce que ça ne rapporte pas d'argent, je comprends. Mais nous, c'est vraiment des questions qu'on se pose aujourd'hui auxquelles on n'a pas de réponse. Donc, Moi, je vous propose de rester sur cette dynamique au level pour prendre la pause et continuer à discuter des licences si vous le souhaitez. Merci beaucoup aux intervenants et aux intervenantes pour leur prestation.